Quand vous avez une interpellation qui se fait entre les voies de circulation et les abords de l'autoroute parce que l'individu est recherché par un féminicide et il est interpellé un petit peu plus bas sur l'autoroute par mes gendarmes, vous entendez à la radio qu'on parle de notion d'armes, d'armes à feu. Vous voyez, tout de suite, ça monte l'adrénaline à son niveau maximal et vous espérez qu'une chose, c'est que ça se finisse bien. Ça fait partie de ces interventions qui sont particulièrement marquantes. Le peloton autoroute de Grand Galargue s'occupe de l'autoroute A9 entre Nabrigas dans l'Hérault jusqu'à Remoulins exclu et s'occupe de toute la 54 entre Nîmes et Arles. Ça fait en gros 75 km de ruban autoroutier à gérer. Là-dessus, il y a évidemment la gestion des interventions. Ça fait à peu près 2000 interventions à l'année, les accidents, les personnes qui sont appuyées sur l'autoroute, tous les petits problèmes que vous pouvez avoir. Deuxième partie, vous avez toute c'est la grosse partie, c'est la sécurité routière, la lutte contre les comportements accidentogènes sur la route, téléphone au volant, dépassement dangereux, grand excès de vitesse, alcool stupéfiant. Tout ça, c'est vraiment le cœur de métier des gendarmes de l'autoroute. Alors je dirais qu'il y a malheureusement toujours autant d'alcoolémie, toujours autant de stupéfiants au volant, si ce n'est plus malheureusement. Donc ça fait partie de nos missions premières de lutter contre ces fléaux. Vous le voyez, il est 15h. On a un monsieur qui vient d'être dépisté positif à l'alcoolémie. Alors, il sera peut-être en dessous du taux, on va vérifier à l'éthylomètre, mais positif à 15h, ça montre que les contrôles d'alcoolémie et les contrôles de stupéfiants, on peut les faire à n'importe quelle heure. Malheureusement, ça peut marcher. Je dis bien malheureusement. De plus en plus de consommation de stupéfiants, on y fait une grosse attention, c'est un gros focus pour nous. Enfin, ce qui commence à émerger et qui nous inquiète un petit peu, c'est la consommation de protoxyde d'azote. Quand vous voyez au volant des gens qui aspirent des ballons ou qui ont des conduites très hésitantes, c'est un indice pour nous pour les contrôler. On les met sur le côté et on voit ce qui se passe. On voit dans quel état sont les personnes. Et on essaie de traiter en fonction des directives judiciaires que l'on a, ces gens qui consomment un produit qui n'est pas classé comme stupéfiant, mais qui a des effets tels que ça va les rendre particulièrement dangereux pour eux et pour les autres sur la route. Saisir des produits, ça arrive. Ce sont généralement pour nous, les gendarmes de l'autoroute, de petites quantités. C'est pas forcément, on fait pas de grosses saisies. Simplement, là, quand vous avez une conduite sous stupéfiant, vous avez parfois quelqu'un qui peut en avoir avec lui. Et s'il en a avec lui, bien évidemment, ça fait partie du paquet de sanctions, l'usage de stupéfiants en plus de la conduite. L'Alpine a remplacé la Mégane RS l'année dernière au mois de mai. Et depuis l'année dernière, le bilan est très positif. Ça marche très très bien, c'est une voiture qui est faite pour ça, c'est une voiture typée de course, même si tout le monde peut en acheter une, vous, moi. Et donc c'est quelque chose qui marche très très bien, encore une fois, là, juste avant qu'on parte en reportage, le pilote me disait que ce matin, il est sorti et en une demi-heure, eh bien, c'était 183 km/h dans un sens, 182 km/h dans un autre. Donc oui, c'est l'arme fatale pour les grandes vitesses. Vous pouvez toujours dire, les esprits chagrins vous diront qu'il y a toujours plus puissant, certes, mais là, on est déjà sur quelque chose qui est dans le haut du spectre. Et ça marche très très bien. On a des pilotes qui sont sélectionnés et formés pour ça, et ils font très bien leur travail.